de ce, pour la deuxième partie de cette exploration de complexe et de bunkers. Donc tous les bunkers que j'ai déjà fait lors de la première vidéo se trouvent partout, enfin là-bas derrière la colline. Et ici j'explore la deuxième moitié. Là déjà ici il y a une espèce de retranchement dans la petite colline. Là je vais voir les bunkers qui sont enterrés dans la colline droite. Ah oui, sur le chemin il y a des disques en argile ici. Parce que ici à la base c'est un domaine militaire. Et donc des fois il y a des militaires qui s'entraînent à tirer sur des disques en argile. Voilà, je suis arrivé au bunker juste devant. Là il y a un trou. Une espèce de barrière en béton, c'était pour bloquer les véhicules. Là ici, je ne sais pas ce que c'est. Là ici, on trouve encore un emplacement pour un Là, il y a aussi une espèce de grand hangar là-bas, il est aussi abandonné, je vais essayer d'aller le visiter plus tard. Vers la fin de la vidéo. Il y a aussi un autre truc là. Voilà, là encore des blocs de béton qui sont ensevelis dans la terre. Voilà, ici on retrouve encore plein de trous creusés par les bombes. Des bouts de métal qui sortent du sol. Là aussi on a encore une espèce de dôme de boules en béton armé. Je sais pas du tout ce que c'est ça. Je vais rejoindre le chemin qui est là ici pour essayer de visiter la tour. Je coupe le temps d'arriver. Bon, changement de plan. Vu qu'il y a des gens qui sont en train de visiter la tour là-bas, je vais les laisser. Je vais d'abord visiter ce bâtiment. Comme ça, je serai plus tranquille pour visiter la tour. On commence déjà par une espèce de maison qui est entourée de murs. Il y a plein de bouts de verre qui sont plantés dans. Je sais pas ce que c'était ici. Il y a des toilettes. Enfin, ce qu'il en reste. Oh, c'est glauque. Là aussi, il y a des toilettes. Je sais pas du tout ce que c'est. Je vais me faire passer pour un con, il y a des gens qui sont en train de... Je sais pas, il y avait des gens juste là qui étaient allongés dans l'herbe. Enfin, je vais pas les filmer. Mais... Enfin bref.
Voilà, et je vais direct au hangar là-bas. Voilà l'immense hangar. Bien sûr, ça a été condamné. Voilà, c'était... Ce hangar a sûrement dû être utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale aussi. Il y avait un laser qui était en train de poser sur le béton. Danger, accès interdit. Là, il y a des rails. Ouais, parce qu'il y a aussi des rails qui font tout le tour. Qui vont un peu par là, vers la route, qui font tout un tour. Ouais. Tout ça, ça date de la Seconde Guerre mondiale. Du hangar, regardez. Je vais pas y aller parce que c'est assez glauque. Ah voilà, il y avait des douches, des toilettes. Quelques cas. Ça ferait un bon terrain de paintball. Voilà, j'ai fait le tour de ce hangar, maintenant je vais à la tour. Voilà, j'arrive à la tour. Bon, je sais pas à quoi ça servait non plus. Interdit, bâtiment en ruine. Wow. Assez, assez haut. Avec un escalier, ici c'était l'entrée qui a été condamnée. Là, juste là, il y a un accès avec une route. Ce que je précise, mais juste là, le bâtiment juste là, ici, tout derrière, c'est un domaine militaire, donc c'est interdit d'accès. Voilà. Ouais, je sais pas du tout ce que c'était. La mousse. Je sais pas ce que c'était, je sais pas quoi ça sert. Il y a une porte avec une fenêtre. C'est un parking avant, je suppose. Ah voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Là, la grille, au-delà de cette grille, c'est un domaine militaire. D'ailleurs, on y voit, il y a encore des traces d'eau qui sont assez récentes. Voilà, je voulais aussi montrer ici, partout le mur ici, hein. Partout, c'est un vestige du mur de l'Atlantique. Qui a été construit entre 1942 et 1943. Voilà, il s'arrête ici. Le mur de l'Atlantique était destiné
empêcher une contre-attaque depuis l'Angleterre. Donc voilà, et maintenant, aujourd'hui, c'est un port. Tout ce qui est de plus banal. Voilà le vestige, un vestige du mur de l'Atlantique en pas mieux en centre-ville, quoi. Et voici le dernier bunker à visiter. C'est pas un bunker, c'est juste un amas de blocs de béton. Oh mon dieu, c'est... Ouais, c'est dégueulasse. Ouais, donc voilà, le hangar est tout là-bas. Là ici, il y a aussi un rack de train qui fait tout le tour. Qui va... Il y a une partie qui va jusqu'au hangar. Et une autre qui va jusqu'au... Je ne sais pas où. J'ai vu qu'il y avait pas de passage. Ouais, c'est assez dégueulasse. Ouais, bah, très bien. Un petit abri comme ça là. On peut s'asseoir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, tout ça, tout ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.